Captain Biceps. Et aujourd'hui, on se retrouve sur Pokémon version Emerald pour l'épisode 35, les amis. Aujourd'hui, on se retrouve pour ce qui sera a priori l'épisode final, les amis. Voilà, aujourd'hui, nous allons affronter Pierre Brochard qui se trouve au niveau du site Météor et tout. Voilà, donc c'est parti. Nous allons y aller tranquillement. Voilà. Ah, on se prend un petit Pokémon. Qu'est-ce que c'est que ça? Ok, un Pokémon nul. Ah oui, aussi j'ai enfin renommé mon Diego. Ah, en fait, j'ai entraîné les Pokémon comme un malade, les amis. Ça a pris des heures. Des heures, des jours, enfin, peut-être pas des jours, mais disons que j'ai dû affronter la ligue plusieurs fois pour pouvoir l'entraîner. Je sais plus combien de fois j'ai fait la ligue, mais voilà, comme vous voyez, j'ai bien entraîné les petits Pokémon. Donc ils sont presque tous niveau 80, il y a juste Rayquaza et lui que j'ai pas réussi. Enfin, j'ai arrêté parce que c'était trop long en fait. De mine de rien, même si j'ai le hack pour accélérer le jeu, ça prend quand même beaucoup de temps. Cascade. Pierre Lune. Ah, il y a des trucs intéressants ici. Très intéressant. Ah, d'accord. Ah, c'est bien fait. Ok, donc sur le on peut remonter. Ah, c'est très bien fait. C'est vrai qu'on l'a jamais visité cette grotte. Je savais pas que ça me menait ici. Ok, très intéressant. Ok. À mon avis, il faut qu'on passe par là. Ok. Ah, on va utiliser Sœur. Hop. Et donc, du coup, il va falloir qu'on apprenne une cascade. Ce qui tombe bien parce qu'on a. Avec nous, on a un Mew. Hop. Un Mew qui peut apprendre toutes ses capacités. Ça, c'est vraiment génial. Hop. Alors, on va oublier. Il y a une salle au fond. Bon, ça va être épisode d'exploration pour finir la série. Ça va être assez bien exploration. Wow! Nous sommes mariés depuis 50 ans. Le lien qui nous unit en tant que couple ne pourra jamais être rompu. Ah!
Ah, parce qu'il y a des dresseurs ici. D'accord, c'était pas prévu. Bon, ça nous revient, voyons voir. Ouais. Bon, ça va aller. Ah oui, j'ai appris ça comme une attaque, les amis. C'est génial. Bon. Vu le niveau qu'ils ont, ça va pas être une menace. Oh, c'est bon ça. En plus, grâce à la capacité polluante de Metallica, il se prend pas de dégâts. C'est génial. Vous avez dit que ça fait rendre des dégâts de fou. Oh, mais gonfle. C'est pas possible. Arrête de faire abus. Ça suffit. Voilà. Voilà. Bon. Oh non, on a perdu, mon cher époux. Jeune dresseur, nous... De toute façon, la série sera finie, donc... La probabilité que je vous réaffronte est quasi nulle. Oh non, mais il y a des dresseurs de partout, les amis. C'était pas prévu, ça. Que nous à tête. Ok. Même le maître nous a rendu visite. Le maître de la ligue. Ok. Ça a rien à voir avec son skin à l'extérieur des combats. Ok. Bon. Ça ne devrait pas être dur. Voilà. Je le sauce avec cette attaque et c'est bon. C'est dommage que Draco Meteor n'existe pas dans ces jeux. J'aurais tellement aimé la prendre. Ah mais il a le même Pokémon. Ah je trouve pas mieux quoi. En plus c'est un dragon mais genre tué quoi. C'est un dragon croisé avec un poussin. Ah là là. Ah là là. Voilà. Ok, ah mais c'est là qu'on vient, du coup on doit refaire tout le chemin. Ah c'est trop cruel. C'est reparti. On va essayer d'aller par là. Enfin, je crois qu'on vient de là donc. Ah non, on n'est pas allé ici. Peut-être on va prendre une cité si une cité intéressante pour le coin. Par là. Allez, on réutilise un redoust. Hop, hop, hop. Voilà. C'est pour ça qu'on va trouver. On va trouver le dresseur là. Pas par là. Il est là. Il est là. On a trouvé Pierre Rochard. On va sauvegarder. Vas-y. Allons-y. C'est parti.
Waouh, Biceps, je suis surpris que tu aies su où me trouver. Est-ce que tu me considères juste comme un maniaque petit proche? Non, je ne pense pas. Nous nous sommes battus côte à côte au centre spatial d'Algata. Tu dois savoir mieux que quiconque de quelle façon je me bats. Ok, Biceps, si tu cherches un vrai défi, je suis ton homme. C'est parti. En plus, pour faire la petite histoire, les amis, c'est l'ancien maître de la nuit, ce professeur. Voilà, c'est l'ancien maître de la nuit. On va commencer par... On va commencer par ça, on va y aller doucement. Gara est mort. Bon, d'accord. Bah ouais. Bon. Ah bah voilà, je sais ce que je vais faire. Il y a une attaque qui peut... dégommer tout le monde. Voilà, ça. Ça, il a horreur de ça, non. Je crois. Non, j'ai rêvé. Non. Ok, on est mal barré. On est très mal barré. Mince, je pensais vraiment que tu peux... Ah bah c'est bon. Thank you.
J'avais pas prévu que ça... c'est rare que ça marche, GL, mais quand ça marche, c'est trop bien. Voilà. Ah oui, c'est vrai, je suis bête. Les types proches, ça craint les types acides. Je suis débile. Calories. Ah,
Ah, et profite lui aussi pour celui. Bah parfait, ça m'arrange. On l'a vu, ah, ça c'est fait. Voilà, hop, au revoir. Ah non, c'est pas ce que j'ai vu, c'est... Ah, c'est parce que c'est un petit peu ici, c'est ça. Bon, j'arrive pas à comprendre, il est quel type ? Roche ou sol ? Ah, il est sur quoi de guérison. Maudit soit-il. Allez. Voilà. Voilà. Allez. Ça suffit. Voilà. Voilà. Parfait. Critique, super, c'est ce qu'on voulait. Ah. Métalos. On continue. Ah, il a 5 comme attaque. Non. Endormir. Bon allez, nous on s'en sort là. Ah, il fait mal. En plus, contrairement à Red qu'on a affronté là dans le dernier épisode de RP Gold, là, ce dresseur je ne le connais pas. Enfin, je crois que j'ai affronté il y a tellement longtemps que je me rappelle même. Non, pas de critique. Pas de critique.
Allez, un petit coup de plus sur lui. Bon, a priori, notre Pokémon est plus rapide que ça devrait être. Allez! Allez, allez, allez! Yes! On a battu. Toi, je ne pensais pas que tu avais progressé à ce point. Ok, de somme en plus. En y repensant, j'en avais eu la certitude lors de notre première rencontre à la grotte Granit du village Nyokara. Ma première impression est souvent la bonne. Et où veux-tu te rendre ? Même moi, je n'aurais même pas pu deviner ça. Première réponse. Bon bah voilà, en fait, on peut dire qu'on a fini cette notre aventure, les amis. Là, on se battait un peu, je pense qu'on va pas arrêter tout de suite quand même. Ça ne fait que... Ah, c'est quand même 25 minutes! Quand même! Ouais. Ça fait un petit moment, quand même. Bon, bah d'abord, on va sortir tranquillement du site météo. Là, je sais pas si on peut descendre par là. Je crois pas, hein. Ah, si. Si, si, on peut passer, c'est bon. On va se soigner un peu. Vu que ce let's play est fini, soit pour faire, c'est on va avancer notre let's play avec grand cours sur Pokémon version enfin Pokémon Colosseum. Alors on va finir ce let's play, comme ça on pourra se lancer sur un nouveau let's play. Ouais, d'ailleurs, je pensais à un jeu auquel on pourrait jouer, c'est Pokémon Oufeu et Verfeuille. On pourrait peut-être jouer à ce jeu par exemple, ça serait bien. Faut peut-être se capturer pour le fun. Ouais, pourquoi pas, allez. Pour le fun, on va capturer un Pokémon encore, pour rire un peu. Ouais, hop. A priori, vu son niveau minable, on devrait le capturer en deux ans. Avec une hyper ball. On y croit, on y croit pas. Ah, énorme. Voilà, bon. On l'a attrapé. Bon, une zone poison. Hop. Ouais, on va passer par le gazon. On n'a pas le choix. Un autre Pokémon sauvage. Allez, on s'éclate un peu pour le dernier épisode. Hop. Bon, on s'amuse à capturer des petits Pokémon, c'est rigolo. Allez, on essaye. Voilà, c'est trop facile. Hop, ok. D'ailleurs, un truc, c'est bizarre, on sait toujours pas qui c'est qui a fait le PC. On a toujours PC pour interrogation, alors normalement, dans les autres jours, on sait qui c'est qui a fait le PC, c'est bizarre. Qui a fait le PC dans ce jeu. Je sais pas, c'est toujours quelqu'un qui a inventé le PC. Bon, quoi qu'il
en soi, on va soigner nos Pokémon ici. Hop. Vas-y, soigne les Pokémon. Qu'est-ce qu'elle fait cette meuf escouade là? D'accord, tu t'appelles Biceps, tu es dresseur apparemment. Cela veut donc dire que tu utilises ce programme de gestion de stock de Pokémon que j'ai développé. Ah d'accord, à celle qui a fait le PC. Ok. Enfin, c'est une conclusion que je tire d'un processus de déduction simple. Tu me parles parce que tu veux accéder à quelque chose sur ce PC. Oh pardon, je me suis pas présenté, je m'appelle Annette. Ah d'accord. Enchanté, je suis contente que tu utilises la gestion du double stock. Ok. Tu habites à route 14. D'accord. Ok. On a pas besoin de PC, mais... D'accord, c'est intéressant. D'accord. Bon, on va aller voir route 14 un peu. Ouais, là, ça va faire 30 minutes à peu près qu'on tourne, je crois. À côté. À tout le coup, ça doit être la baraque. Hein. Ça va être là, ça va. Bonjour, ouais, c'est ça. Oh, Biceps, je suis désolé, ça pagaille quand je suis plongé dans mes recherches. Je n'ai pas le temps de manger. Ah c'est vrai qu'on s'est pas fait de cabane dans ce jeu. On n'a jamais fait de cabane. Ouais, peut-être. Normalement on a un Pokémon qui a force cachée pour les amis. On va se refaire une cabane. On pourrait finir sur ça les amis. Faire ça parce que c'est vrai qu'il y a cabane et on s'en est même pas servi. Hop. Bon, il y a une force cachée. Est-ce que c'est lui qui a une force cachée? Ah oui, c'est lui. On va le prendre avec nous. Hop. Hop. Désolé, mais on va te ranger dans le PC. Ah, re les amis, ça y est, j'ai retrouvé la cabane. J'ai retrouvé ma cabane. Ah, on va s'amuser. On va juste mettre une peluche. Ah, voilà. Bon, bah tant pis. Bon,
bah déception les amis. Bon bah tant pis. C'est la fin de la série les amis, j'espère qu'elle vous a rendu. N'hésitez pas à regarder les autres épisodes si vous les avez ratés et tout. En tout cas moi cette série je me suis éclaté dessus. Franchement je crois que c'est un des jeux sur ma chaîne où je me suis le plus amusé les amis. Hein, pour être vraiment honnête, ça fait partie de ces jeux où je me suis vraiment bien amusé. Parce qu'il y a beaucoup de jeux que j'ai fait sur... Il y a beaucoup de let's play que j'ai fait les amis. Et celui-là franchement c'est un de mes favoris je pense pour l'instant. Bah, pour vous dire les let's play que j'ai le plus aimé faire c'était... Twilight Princess et ce jeu je crois que c'est mes... Pour l'instant les amis c'est mes let's play favoris. Où je me suis le plus amusé. Voilà, donc j'espère que vous avez partagé, enfin que j'ai réussi à vous faire partager mon bonheur de jouer à ce jeu avec vous. Voilà, donc si cette vidéo vous a plu, pensez à vous abonner si c'est toujours pas fait. N'hésitez pas à regarder les autres épisodes, à partager cette vidéo et tout. Et n'hésitez pas à regarder mes autres séries Pokémon sur ma chaîne parce que j'en ai plein d'autres qui sont en cours. N'hésitez pas à vous abonner, à regarder mes autres vidéos, tout ça. Voilà, donc merci beaucoup. Et à la prochaine. Allez, ciao les amis.